Bonjour. Vous qui m'écoutez et regardez ces images, vous connaissez certainement les grands récits et films de science-fiction de notre époque. Vous savez que souvent, on nous y raconte l'histoire de personnages fantastiques tels que Superman. Batman. Wonder Woman. Spider-Man et les autres. Mais il va peut-être nous être d'une aide efficace. Ouais, attendons voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Valérian, redresse le stabilisateur, voyons! Les Slumps, là, ils attaquent! Il y a un thème qui revient souvent, celui des envahisseurs. Les envahisseurs venus des confins de la galaxie. Eh bien, moi je vous le dis, et je vais vous le montrer, la planète Terre est actuellement aux mains d'un envahisseur. Oui, un être qui se nourrit d'énergie et dont la taille n'excède pas celle d'un insecte. Vous ne me croyez pas? Alors, venez enquêter avec moi et débusquez cet envahisseur minuscule. Ah, l'étrange. Ça n'est pas toujours très agréable. Cela cache quelquefois des réalités inquiétantes. Mais il se trouve que cela fait appel en nous à de très vieux souvenirs enfouis et quelque chose résonne et nous fascine. J'ai choisi de prendre avec moi quelques bandes dessinées pour commencer. Pourquoi des bandes dessinées? Parce qu'elles sont un très parfait miroir de la culture populaire, la mienne, la vôtre. Les gens. L'étrange apparaît souvent avec l'anachronique. Ici, une jeune femme chevauchant un dragon regarde apparaître ou disparaître un donjon, parti de quelque château mystérieux, si dans une autre dimension. Ce genre de vision se trouve déjà dans la Bible. En plus moderne, la charmante fille de Dracula, prince des vampires, utilise son dragon pour se faire cuire un œuf. Oui. Comme nous voulons rester dans notre époque, et, vous vous en souvenez, découvrir qui est cet envahisseur inconnu, nous allons prendre une bande dessinée très populaire dont j'ai sélectionné au hasard 6 albums. Alors, regardez cette héroïne et dites-moi si vous la reconnaissez. Oui, elle s'appelle Yoko Tsuno. Elle n'existe pas. Elle est le produit de l'imagination de Roger Leloup, un Français amateur d'exotisme. Mais si vous regardez bien avec moi, nous allons trouver sur les 6 couvertures 2 ou 3 ingrédients de la potion magique moderne. L'énergie, les terreurs des origines ou archétypes, le mythe scientifique. Voici l'orgue du diable. Il fabrique de redoutables infrasons capables de tout détruire. Diable. Ici, l'auteur utilise le fantastique du Moyen-Âge et le fantastique musical.
la peur et l'inconnu, ou même la peur de l'inconnu. Et la forge de Vulcain, un curieux mélange avec une composante nouvelle, la technologie. Thème, l'Amazone ou la chasseresse, le feu et la science, avec les forces qu'elle déchaîne. Puis, message pour l'éternité. De nouveau, les forces anciennes et les êtres primitifs. Il y a malgré tout un peu de technologie avec l'avion. Et encore, le trio de l'étrange. Ici, nous sommes en complète science-fiction, mais il y a toujours le thème de l'étranger. Une étrangère dans ce cas, au visage bleu dans son scaphandre. Passons maintenant à aventures électroniques. Ah, le mot est lâché. Les mots sont lâchés. Il y a aventure et ces aventures sont électroniques. C'est important. Notez que, au passage, le thème de la force est représenté par l'exosquelette de l'héroïne et celui élémental du feu encore présent. L'énergie. Et la sixième, pour finir, la fille du vent, qui est peut-être la plus parfaite dans son genre. L'héroïne, dans son décor, puisque l'action se situe pour une fois au Japon, la force, représentée cette fois par l'air et l'eau qui, conjuguées, créent le typhon, et c'est la science, en arrière-fond, qui engendre la monstrueuse trombe. Si vous m'avez suivi, nous sommes prêts pour continuer notre histoire. Et l'envahisseur, ah oui, l'envahisseur. Mais patience, il approche l'envahisseur. Je puis même déjà vous dire qu'il est petit, qu'il tient dans le creux de votre main et qu'il est apparu sur Terre dans les années 50. Je continue ? Ok. Dans les années 30, 40, 50, un personnage fait son apparition aux côtés des surhommes, des superfemmes et des monstres venus de la science-fiction. Ce personnage, c'est plutôt à l'origine un sous-homme, puisqu'il s'agit du serviteur, de l'esclave mécanique, le robot. Il faut dire qu'à l'origine, le robot est un personnage plutôt ridicule, qui nettoie la maison, qui passe l'aspirateur, qui lave la vaisselle et qui répond au téléphone. Voici un robot qui vous apporte un verre à boire. Bien qu'aujourd'hui tout le monde en ait chez soi pour de pareilles tâches, personne dans les années 30 ou 40 n'y croyait, ni même après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un sujet humoristique plus qu'autre chose. Et je me souviens, tenez, d'un dessin humoristique qui est paru dans un journal français où l'on voyait un robot décrocher le téléphone et dire « C'est de la part de quoi ?» Je vous laisse apprécier ce genre d'humour, très à la mode à l'époque. Mais s'il tombait en d'autres mains, est-ce qu'il ne deviendrait pas un danger public ? Non, docteur. Même si j'étais le savant démoniaque cher au roman feuilleton, parce qu'il existe chez Robbie un dispositif... Au début, les robots ressemblèrent plus ou moins à des poubelles munies de roues. On les munit de bras, de pinces, de clignotants de voitures américaines, tels le fameux Robbie de la SF Made in USA. Feu. Tu as compris le mécanisme ? Oui, Morbius. Ce n'est qu'un désintégrateur. C'est exact. Tourne-toi par ici. Pointe-le sur le commandant. Et vise bien entre les yeux. Feu! Vous voyez, il est impuissant. Il existe un système électronique qui oppose maintenant mes ordres directs à ses inhibitions fondamentales, lui enjoignant de ne pas nuire aux êtres humains. Ordre annulé.
la plus moderne des versions dans Star Wars n'est pas vraiment très différente. Très rapidement, on en vint à imaginer que le robot pouvait vivre sa propre vie et devenir autonome. Et alors, il serait dangereux. Les créateurs de robots regardèrent leurs œuvres avec perplexité. Bien sûr, les surhommes américains étaient à même de se battre contre les robots. Mais les robots pouvaient mettre les hommes en esclavage. Ils pouvaient même prendre des aspects séduisants. Mais redevenir extrêmement dangereux, telle cette jeune femme qui crache de l'énergie. Mais d'autres essais pour fabriquer des femmes robots seraient voués à l'échec. Ou comme celui-ci, se greffer sur des personnages humains donnant naissance à l'androïde, le symbiote ou encore le cyborg. Même les villes ressembleraient à des robots. Inévitablement, les robots finiraient par se faire la guerre. Et bien sûr, le jour où il n'y aurait plus d'humains. Tout cela fait partie de la légende et de l'imagination des poètes de notre époque. Il est donc temps de revenir à notre sujet, celui de l'envahisseur inconnu. À partir de maintenant, vous risquez d'être déçus. Oui, mais rassurez-vous, pas pour longtemps, car il faut se poser une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un robot et une machine? En principe, une seule chose, le pouvoir de prendre une décision. Pour être un peu technique, disons qu'il faut deux conditions pour passer d'un automate à un robot capable de comportements divers. Premièrement, le programme doit être enregistré à l'intérieur de la machine en tant que données. Deuxièmement, la machine doit disposer de la possibilité de rupture de séquence. Bon, prenons une voiture par exemple. Elle n'est actuellement pas robotisée. Alors, si vous lâchez le volant, vous risquez le crash. Si la même voiture disposait d'une intelligence même rudimentaire, elle pourrait par exemple freiner devant un obstacle. Nouvelle manifestation qui est la première du genre au monde, le championnat international des voitures robots, qui se tiendra les 14, 15 et 16 novembre à l'ancienne gare de la Bastille à Paris. Il a fallu pour les concurrents fabriquer une petite machine de course capable de se déplacer sans aucune intervention humaine sur le circuit. L'objectif donc de cette voiture intelligente est de faire le meilleur temps sur deux tours de circuit en se repérant sur les lignes délimitant ce circuit. Mais pour réaliser ce meilleur temps, les concurrents doivent installer un micro-ordinateur à bord qui leur permettra de repérer les tournants et les lignes droites afin qu'ils puissent accélérer ou ralentir. Ce championnat est donc un... La chose la plus simple pour un robot, au fond, c'est d'effectuer des calculs. Voici quelques petits robots très familiers dont vous possédez sûrement un ou plusieurs petits frères. Oui, mais attention, ces robots-là ne prennent aucune décision. Si vous vous trompez d'un zéro, il ne vous avertira pas. Et puis, tant pis pour vos économies. Ou alors, tant mieux si elle s'est trompée dans le bon sens.
Voici venu le moment de découvrir maintenant l'envahisseur dont nous avons parlé. C'est le descendant, d'une certaine manière, de ces petites calculatrices, ainsi que de très gros monstres électroniques qui furent utilisés dans... Comme vous le voyez, ça ne ressemble à rien de ce qui a été évoqué. Ça n'est pas monstrueux, ça n'est pas vivant, ça ne porte pas d'antenne ou de lumière clignotante, mais c'est un minuscule cerveau électronique. De nos jours, on le nomme chip, ou en français, la puce. L'une des premières manifestations des cerveaux fut des plus désagréables. Le projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'était le nom secret de la bombe atomique. Car les Américains n'auraient pas pu réaliser la bombe qui explosa dans le désert du Nevada et plus tard sur deux villes japonaises sans l'aide d'un cerveau électronique géant